Salut à tous, c'est Pokéchou et Clémy. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 13. Ouh, 13. Porte-malheur. Porte-bonheur. Ou porte-bonheur. Porte-bonheur, porte-bonheur. En positif, dans un jeu de compositif. Alors, aujourd'hui, on vous a préparé la nouvelle paire. On vous a préparé une nouvelle paire, effectivement, oui. Je voyais pas trop où elle voulait en venir. Les œufs de Union Police, on les a préparés en hors écran. On a un pas à faire. Attends, on fait un petit récapitulatif. On a un pas à faire. Pour déclencher l'éclosion. Voilà. Donc on a fait ça, on a timé parfait, on a compté le nombre de pas avec l'appli compteur de pas sur Diamant et Perle. Bon, lui, je pense qu'il va avoir un truc cheaté. Attends. Pour l'instant, on ne spoil rien. Bref, petit récapitulatif des paires. Donc, de mon côté, on a El Macho, le Macogneur. Avec Pêche, la marque à crin. Ensuite, on a Milka, le Skitty. Avec Fondu, le Limagma. Ensuite, on a Strong Boy, le Galekid. Et Hermione, le Soporifique. Mille, le Lupio. Et Cheshire, la Fontominus. Et enfin, dernière paire qu'on avait rajoutée dans l'épisode précédent, Boscara, Savan, le Boscara. Et Morveux, le Sans-Coquille. Voilà. Maintenant, on a aussi nos petits œufs. Alors, attends, avance pas. Juste, on va expliquer rapidement par rapport au Gricknote, on a oublié de regarder. C'est pas grave. Écoute, on a oublié de regarder exactement vos commentaires, mais il me semblait que c'était quand même très mitigé dans l'ensemble, vos avis sur ce qu'on faisait du Gricknote. Il y a eu une idée qui m'a bien plu, c'est qu'on attend que j'ai un shiny pour faire une paire avec. Ah, mais putain, si t'en as pas... Il faut que j'en ai un. Mais voilà, ce sera le challenge, ce sera le petit bonus du Nuzlocke challenge. Est-ce que on verra une paire shiny ou pas? Ça te va? Moi, je pense que c'est une idée qui est bien, parce qu'elle fait, cool, ouais, elle fait un petit pensé. Peu milieu parmi toutes les idées qui avaient été proposées, donc voilà. Allez. C'est... Alors, t'es prête? On fait ce pas. Attention à l'éclosion de l'œuf. 1, 2, 3. Et là, on va pouvoir faire... Ah bah, tu m'as pas attendu. Ah bah, désolé. Bon, ok. Alors là, je veux pas regarder. Je regarde pas. Oh, petit ravi! Mais moi aussi! Ok, bon bah. Le random nous a trollé. Du coup, c'est une paire pas utilisable, donc non, on lui donne pas de surnom. Oh. Bon bah, c'est triste. Non, mais alors, vous saviez que là, on était complètement. En hors écran, on était complètement en train de péter un plomb. Parce que elle a fait 5000 pas, donc c'est grosso pas immense pour un œuf. Elle a fait 5000 pas, grosso merdo. Et moi, j'ai fait à peu près 10000 pas. Et parmi les Pokémon à 10000 pas, je les ai pas tous regardés. Mais j'avais remarqué au passage un petit Latias, ce genre de choses. Voilà, tu l'as mis dans les morts, hein. Bah, je le mets dans les morts et je vais le mettre avec à la place, enfin à côté bah, du dôme. Je le mets à côté de démocratie. À côté du méchant. De lui. Du Berk. Dôme fossile. Et voilà. Bref, du coup, on va pouvoir continuer notre aventure et avancer tout simplement. Voilà. Il va falloir qu'on apprenne force à quelqu'un. Ah, bah, je suis rentrée. Pas tout de suite. Du coup, j'ai mon nouveau PC. Hein. Un nouveau PC. D'ailleurs, j'ai l'impression que les couleurs sont un peu. Non, c'est mon impression. Bref, il y a Cynthia qu'on va rencontrer. Oui. Tu te rappelles de la voix que tu lui faisais à Oh Cynthia. Merde. Le petit recurring gag. Okay. Ah, on a de nouvelles herbes ici. Nouvelle route. Ah, nouvelle route. Ça, c'est la route 210. Nouvelle route. C'est pour toi. C'est pour moi. Attendez, je vérifie mon stock Ouais. Stock de balls. Vite. On fait un stock de balls avant de commencer. Mais t'as tellement de balls. Tu me dis s'il y a des supers, s'il y en a pas, bah, ouais. Moi, je pense qu'il y en a pas, mais. Ouais, tu vois, il y a pas de super balls. Et bah, allez vous faire foutre. Mais par contre, moi, je vais en prendre 10. Voilà, juste dans de ce quoi cas... me faire. Une honor ball en moi j'en plus. Ai 19 de pokéball, ça devrait suffire quand même. Bah ouais, moi j'en ai une vingtaine, donc ah oui, tu peux pas rentrer avec le vélo, il faut que tu enlèves ton vélo. Ok, donc paire pour toi sur la route 210, ce sera roulement de putain de tambour, un Gloopty. Oh, c'est cool, un Gloopty. Un Valtou, ça a pas des stats dégueulasses, hein, je crois, si je me trompe pas. Dans mon souvenir, c'est pas... Oh putain, Spectrum niveau 19. Je suis obligé de le capturer en plus, hein. Oh, c'est triste, hein. Quoi? Il est... Non, c'est bon, il est spectre en premier. Oui, par contre, ouais, il est poison, donc si tu le... Ah! Oui, tu veux savoir s'il est spectre poison ou poison spectre? Oh, ouais, par contre, là, je peux pas switch out. Il va me déboîter, hein, si je switch out. Mm-hmm. Oh là là. Moi, je devrais pas avoir grand-chose à craindre. Putain, qu'est-ce que je peux lui envoyer sans prendre trop cher? Strong Boy, peut-être... Mais même. Parce que s'il me fout une... Je sais pas ce qu'il peut avoir comme attaque à ce niveau-là. Aucune idée. Il a quoi, ton Fantominus? Il a du physique, surtout, non? Il a Ténèbres, Léchouille.
Et le reste est pas intéressant dans mon souvenir. Il a pas de spécial? Non. Bon, je pense pas que... tu penses qu'un vent glace c'est... Ouais, ouais, bah Boubon, ça le déboîte, hein. Oui, parce oui, que c'est type sol, donc... Onde folie, génial. Génial. J'adore l'onde folie. C'est mon attaque préférée. Surtout quand on la fait sur moi. J'adore. Alors, bah petite griffe acier. C'est un plaisir. Griffe acier. J'espère juste que je vais pas le tuer. J'espère juste que je vais pas le tuer. J'espère juste que je vais pas le tuer. Parce qu'il est faible, Spectrum. Oui. J'ai 5 niveaux de plus que lui. Oh l'andouille. Oh l'andouille. Bah ouais, mais j'avais rien d'autre pour ta peine. Oh, c'est bon. Ça passe. Voilà. Tu penses que tu vas réussir à le capturer comme ça? Ah ouais, bah là j'ai pas le choix, hein. Je peux pas lui faire plus de dégâts. Ok, goodbye. Goodbye. Girl, c'est une fille. Good girl, c'est pareil. Good girl. Je vais l'appeler, je peux pas l'appeler Nappy. C'est une fille. Oh purée, chiant. Nappy IE. Oh non, c'est nul. Allez, pêche, réveille-toi! Un, trollé! Un peu, hein! Pas tout compris! Pas de critique, hein, pêche! T'es ah gentil! Non, ah non, là, pas de critique! Ah, je te jure, mais un critique, mais. C'est quoi cette étude? Enfin, même avec un critique, tu le tues pas, là? Oui, non, mais je lui faisais plus tout à l'heure, je pense que j'ai fait un jet minimal. Ouais, enfin, là, t'as fait que dalle, hein! Il a augmenté sa défense peut-être. Peut-être, c'est possible. Ouais, parce que là si tu lui fais un critique et s'il augmente sa défense, c'est Fuchu. C'est bon, tu peux le capturer là maintenant. Ouais, c'est un glouti, c'est que dalle en capturate. Ouais, c'est ça, ouais, il a fait voilà. Un glouti. Alors, Spectrum, il faut que je trouve un surnom pour cette Spectrum, moi, de mon côté. Oh là là, j'ai pas d'idée. Katarina. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Katarina. Bingo. Et ben voilà, le petit. Et Spectrum, du coup, nouvelle paire. Bah, on peut carrément la prendre maintenant, en fait. Non. Parce que là, on a rien de plus intéressant. Comment je vais l'appeler? C'est une femelle aussi. Tu aurais bien des idées de surnom, mais c'est sale. Dis-moi. Pour un femelle. C'est pas sortable. Oh c'est pas... Bon, attends, un truc avec une grande bouche, femelle, je veux pas être méchant, mais... Ah, par contre, il y a des spectres partout ici. Hein. Comment il va t'appeler? Ah, bah oui, fuit impossible, bien sûr. Regarde. Ah. Alors là, je suis dans une situation où ma cogneur ne peut pas le taper et ne peut pas fuir. On fait comment là, actuellement? Oh là là, mais je peux... Non, mais vraiment, je ne peux rien lui faire. Et je ne peux pas fuir. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non mais sérieusement, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Merde. Mais regarde, fut impossible. Voilà. Si j'essaie de changer de Pokémon, il va me dire non. Oh, il y a une lettre, Katarina. Ah oui. Moi j'ai toujours pas trouvé voilà, de... Voilà, et Macho ne peut pas être échangé. Comment je vais t'appeler? Oh bah malédiction, pas. Non. Oh non, 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 pas de... Tu peux te soigner. Ouais, j'espère juste que ça fait pas de plus en plus de dégâts, mais... Oh la pute! Je sens qu'on va perdre nos starters, je le sens, là. Mais putain, je peux rien faire! Ça fait tellement de dégâts en plus. Là, ma seule solution, c'est qu'il se suicide, le mec. Hein. Sinon, mais El Macho est foutu. Bon, moi, il faut que je trouve un surnom. Regarde moi, ça se barre pas ou non? Oh là là, là le gros stress. Là, je vois aucun moyen pour El Macho de s'en sortir. Oh là là, putain de... Mais la situation dans laquelle je suis là. Mais non, arrête. Suicide-toi. Malédiction, bâtard, putain. Oh là là, mais
Et je vois El Macho mourir à petit feu, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je n'ai plus qu'à attendre qu'il fasse une malédiction. Allez, arrête! Putain, je déteste ça. Oh, t'es à 42 PV. Ouais, enfin là, bon, ok, du coup, l'objet de pêche, c'est le multi-axe, donc je vais le prendre avant que, avant qu'il meure. Putain de... Oh là 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 là... Non! Fais une malédiction, bâtard! Suicide-toi! Suicide-toi, espèce d'enculé de ta mère! Oh. Attends, tu sais quoi? Ouais. I do fuck you, je n'ai aucun respect, ok? Je te balancerai dans la boîte du PC et tu mourras, tu croupiras en enfer! Bâtard! Oh la pute, oh la pute, oh la pute, oh la pute, oh la pute. Non, tu me tues pas, tu me tues pas. Non, la malédiction, non. Ça c'est le macho! Ça c'est le macho! Qui c'est qui est macho? Putain! Qui est macho là? Oh là là! Là tu fais une malédiction, là tu te suicides après ce que je viens de te mettre. Putain, mais après un coup comme ça, t'es obligé de te suicider tellement t'es naze, tellement ta vie elle est nulle. Oh putain, mais il me fait plus jamais peur comme ça hein. Putain de bordel de merde. Alors, soin statut. Ouais, mais la malédiction en fait me fait tout le temps pile 21 PV. Et il m'en restait 22. Et là par contre j'ai plus beaucoup de temps, donc là il faut que ça passe, il faut que ces Pokéballs de merde elles passent. Elles passent. BOUM BIATCH. Oh, El Macho ne meurt pas aujourd'hui. Et Spectrum il va aller tout droit dans une boîte. Je vais refaire une autre boîte dans laquelle je vais mettre alors hop. Salope. On va l'appeler salope. Voilà, je vais faire une boîte qui sera pas la boîte RIP, qui sera une autre boîte où je mettrai tous les connards, donc le dôme fossile, petit Ravi qui est vraiment un gros naze aussi. Hop là. Oh. On est d'accord. On prend la perche bien capturée. Ah oui oui, non mais oui, moi oui. Je l'avais déjà. Hein. Oui non mais c'était pour. Ah non mais non, je l'avais pas. Si, je l'avais déjà, si, je l'avais si. Pas. Mais j'ai failli perdre le macho putain. Tu me fais plus jamais par contre. Oh là 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 là. Quoi par là? Oh, il y a une dame. Je pense qu'elle nous donne quelque chose. Ouais. Oui, elle nous donne quelque chose. Oui. Ouais, voilà, normalement elle te donne la CT atterrissage. Donc CT51, on va aller voir ce que c'est. Bon, je le ferai après, je le ferai en écran. Voilà, donc j'ai salope. Attends. Tu t'es bien mis sur la bonne boîte d'ailleurs, tu t'es mis sur la boîte 1, hein. Pourquoi mon Pokémon capturé ce matin commence pas. Stimulant. Stimulant, cette attaque est doublement efficace sur les ennemis paralysés, mais elle soigne leur paralysie. Ah. Nul. Wow, ça peut être rigolo. Du coup voilà. Ah oui, alors Katarina, il fallait que je regarde. Lettre. Lire. Bah oui. Une lettre vide. Tu sais que t'es pas obligé de les com... Oh, t'aurais pu avoir un Drakaos. Oh bordel. Non, pas de caprice. Pas de caprice, s'il te plaît. Pas de caprice. Pas bien. Pas bien caprice. Attends, mais je suis en train de me demander si je peux fuir. Il peut pas me tuer de toute façon. Bah non, je pense pas. Sauf si la Draco souffle. C'est bon. Alors. Hop. Moi, la CT51, ça va être. Attends-moi deux secondes. Parce que là, ça va être Cynthia. Hop. Alors. Sac. On va regarder ce que c'est que la CT51 chez moi. Damoclès. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être cool sur un Pokémon qui a tête de. On ira prendre l'item là que vous voyez tout en haut à gauche. On le prendra en hors écran. Pour éviter de perdre du temps, ouais, tu passes sur le côté, s'il te plaît. Alors, tac, boum. T'as enlevé le macho en premier, j'espère. Tu switch direct. Direct, je switch direct. Yeah, c'est mort. Et toi, tu refais la même connerie en plus. J'ai pas pris de soin.
j'ai pas pris de soin. Oh là 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 là, j'ai plus rien pour me soigner. On va mettre qui en premier? Un Pokémon qui puisse te déboîter. Qui puisse être rapide, on s'en branle. Assez rapide pour se barrer. Bah là j'ai personne. Bah on voit Strong Boy, il le nique. Hein. On l'a vu. Hein. Ouais mais j'ai plus de soins donc Strong Boy il peut très bien mourir. Hein. Ah bah écoute je le recapture hein, au pire, hein, en cas de soucis. Allez, fuite. Oh putain mais c'est pas possible. Bon ça va, t'as encore du temps pour switcher là. Oh mais bordel mais j'ai rien pour me barrer d'un Spectrum. Hein. À part éventuellement mon propre Spectrum, mais ce serait perdre notre paire direct. C'est bon. Ok. Enlève El Macho. Mais ouais mais bon bah je vais mettre Spectrum, y'a que ça, hein, y'a que Katarina pour fuir ici de toute façon je crois. Hein. Si on tombe sur deux Spectrum, y'a que Katarina. Hein. Le bordel de cette zone, c'est l'enfer. Bon. Y'a plus de... Fais gaffe à la dresseuse. C'est une dresseuse? Oui. Oui, c'est une dresseuse. Bah... Ok, on passe. Là ah c'est bon. Niqué. Ok, psychoquack. C'est tout? C'est... Psychoquack. Oui, c'est après qu'elle... Ah non, mais c'est après. Ouais. C'est quoi? C'est où? C'est à gauche? C'est pas un bar, ça? Ouais, c'est... On peut acheter du lémeumeu. Ah, ouh, bah attends. J'y vais direct. Le lémeumeu, c'est 100 PV, hein. Oh! Nouvelle route! Encore? Attends, c'est elle qui vend du lémeumeu? Ouais. Il n'y a que du lémeumeu. C'est à 500 francs, je vous en mets une bouteille, oui. Ah non, mais j'achète une par une. Oh putain. Oh, c'est mort, c'est mort. Allez, salut. Cassos! Cassos, Gotakos. Par là. Par là, c'est parti. Nouvelle route, c'est pour moi. C'est pour moi. Ce sera ta capture, celle-là. Elle est juste là, la capture. Je vais pas mettre Katarina en premier. Je mettrai le macho. Allez. Ok, c'est parti. Première capture sur cette route, pour moi, c'est un... Crixic. Melocric. 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 Niveau 21, c'est pas mal niveau 21, purée. On commence à capturer des trucs rigolos, là. Et un Roselia. Ouh, la paix rigolote. Non. J'ai un rose bouton. Bah... Espèce. Ok, 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 ok. Bah, elle n'est pas obligée de le capturer. Je suis pas obligée. Je vais voir ce que je trouve d'autre. Même si j'adore ça. Si tu te trouves avec un truc nul après, je rigole quand même. Bon, de toute façon, avec un Melocric. Oh shit, oh shit. Empyrean, ça va. T'as pas réussi à fuir? Non. Ouais, bah, fuis peut-être à un moment. Enfin, change. Switch out. Oui, je vais switcher. Vampirisme quoi. Utilité de la chose, je vous le demande. Pouh, purée, que d'émotion là sur ce début d'épisode, c'est horrible. Ah mais c'est... Wouah. Ou jamais. Oh mais le risque de perdre... Patience, patience, fais gaffe. Oh shit. Ouais bah là non, il a attaqué avant moi. Il a attaqué avant moi. Pourquoi la Vampigrane se barre pas avec le switch? Non, il a fait méga sensu. Ah merde. C'est juste que c'est la même animation, c'est pour ça. Ok, bah là je vais devoir encaisser une patience quoi qu'il arrive. Je l'ai pas enlevé beaucoup de PV, je pense que c'est bon. Avec, avec ma full vie de ma cogneur, je peux. Non, mais allez, y arriver. Putain, j'arrive pas à fuir. Sérieusement? Bah, te laisse pas mourir quand même. Non, c'est bon. Mon Pokéball, il stay pas in the ball, lui. Je peux pas rester dans la ball. Stay in the ball! Allez, merci. Un Pokémon rapide en face, hein, quand même. T'as qui? Bah t'as Cheshire. Ouais. T'as... Il a quoi, graisseuse? Je l'ai mis multi-ex. Ah! Ok. Le problème, c'est que s'il doit faire une capture, Cheshire, c'est pas le plus approprié, mais bon. Ok, bah moi je vais continuer la capture, tout va bien. Oh! Oh le truc! Oh la paire! Bon, Melocric est assez naze, mais alors Umbrilex, mais... Oh là 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 là, mais on trouve des trucs dans cet épisode, mais c'est n'importe quoi. Oh. Ma vie. Quoi ta vie? Quoi bah, ta vie? Regarde, je me suis pris une patience. Attends, mal. Il faut que je switch, moi. Qui je peux mettre? Il est Roche... Roche? Bah, tu mets Morveux. Roche. Oui, roche sol, je crois. Roche sol, je crois. Ah, il est roche sol parce que Tyranocif est roche. Ténèbres. Oui, mais il a le type ténèbre qui est parti de Tyranocif. Éboulement, quoi, ce truc. Mais c'est une bombe. Putain, oh, la berceuse du Melocric. Putain, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? Bah, sous la pluie, tu lui fais surtout pas une.
Il vibre à quoi? Tu peux lui faire une boule bombe. Ouais. Non, là, ça le tue pas. Tempête. Oh, bah bien. Alors, de mon côté, balls, on y retourne. Les balls. 2, 3, stand the ball, yes. Melocric que je vais donc appeler Maestro. Oh, j'aime beaucoup. Bah oui. Tu penses que je peux? Bah oui. Oui, 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 tu peux, vas-y, essaye. Allez. T'as avec qui avec 1, 2, 3. Ah! Oh. Fuck! Avec? Avec. T'as, non, mais je t'avais Gloopty avec. Oh, génial. T'avais Gloopty avec. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec mon petit. Ma petite Mozart. Pétasse Maestro. Oh, oui, mais je préfère Maestro. Mozart, il avait pas une moustache comme ça. Qu'est-ce qu'on sait? Ouais, il était pas moustache, Mozart. Qu'est-ce qu'on sait? Il était un peu. Allez! Bon. Oh, bah. Sort direct. Putain, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne et ouais, on a rien fait. On n'avance plus en ce moment, on est désolé. Bah, on va peut-être vous bourriner la route, hein, comme ça, ouais. Comme ça sera fait. Hein. Moi, je t'attends un petit peu, mais je vais l'acheter dès les MME en attendant. J'ai besoin des soins. Sinon, moi, le macho, il va mourir et je veux pas qu'il meure. Putain, on, le flip que je me suis fait. Ah, bah, d'accord, très bien. Je parle à une serveuse du bar. Bonjour, cet endroit est ma plus grande fierté. Bouf, je te défonce. En tilton quoi, ma gueule. Normal. Allez quoi, Maurice. Putain, si tu me fais trop chier, je te jure, je t'appelle Maurice. Il y a un point karaté sur tilton, je pense. Ça m'a fait tellement rire tout à l'heure dans le train. Mais il dort, et macho. Oh oh. C'est bon. Dans le train, je lisais mes cours de médiéval. Et il y a un empereur byzantin qui s'est appelé Maurice. Son of bitch! Dommage. Dommage. Ouh, la grosse baisse de défense. Ouais, bah tu switches sur quelqu'un d'autre. Sur qui? Sur. Pas sur Hermione, bah switch parce que là, avec la grosse baisse de défense que tu t'es pris, tu peux pas reprendre l'éboulement. Sur graisseuse? Ouais. Moi, du coup, je venais ici pour juste récupérer des petits lémeux et je me fais défoncer par un tilton, quoi. Enfin, attaquer. C'est absolument. Putain, il a refait Grimace, quoi. Ah non, Grimace, c'est bon. Oui, c'est de la baisse de vitesse. T'as pas une super ball qu'on en finisse? Non! T'as quoi comme balls? Bah, vas-y, la pokéball encore, mais. Bah, ouais. Moi, en attendant, je fais pas du tout gaffe à ce que je me prends. Je suis en train de prendre une furie. Mais ça devient chaud là Tu peux survivre un éboulement en switchant sur Morveux? Ouais, je pense. Ouais, bah fais-le alors. Ça devient casse-bonbon. Ça devient très très dur de récupérer des Pokémon. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'ils sont niveau 20 dans la nature? Non, c'est absolument dingue. Non, c'est bon, c'est Grimace. C'est absolument dingue. Pourquoi est-ce qu'ils sont niveau 20 dans la nature comme ça, y a plus aucun respect là. El Macho a encore perdu, bah très bien, mais ça serait peut-être bien. Je vais y passer mon stock de Pokéball, les gars. Ça fait quoi encore perdu? Non. 2. Ah là 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 là, tout va bien, zen. En ce moment on avance, on est vraiment désolé, on avance. Bah là il faut switcher en direct. On avance plus du tout, c'est horrible. Comme on avance plus du tout dans l'aventure à cause de ces captures qu'on fait en plein de fois. Allez, bah, il va finir par rentrer. Mais tu peux pas l'attaquer avec graisseuse? Bah, je vais essayer. Tout simplement. Bon, en attendant, je jette plein de les meumeux. Ouais, les meumeux. Paniment. Ah bah voilà, très bien. Et puis tu peux lui faire des tritus, ça peut, un truc dans le genre. Il ne fera pas trop de dégâts sur un venant d'un Gloopty. Je sais pas combien j'ai jeté de l'MME jusqu'à maintenant. Et puis là, tu peux lui faire. Ouais, détritus, je pense. Très bien, tu t'en fous, il va dormir. J'espère juste qu'elle tue pas. Oh non! Oh non, il pouvait très bien faire un coup critique. Oh non! Sérieusement?
Oh non, oh non, oh non, oh non. Ball direct, ball direct. Oh, non, mais non, c'est con de perdre un Umbrellex comme ça. Ce serait con. Get in that fucking ball. Get in that fucking ball. 2, 3. Yes. Mais que de suspense. On n'avance pas dans l'aventure, mais il y a tellement de suspense. C'est horrible. C'est horrible. Pour la peine, ah oui, effectivement, roche sol, bien joué. Ah ah, j'ai bien appris ma leçon. T'appeler Maurice, hein. Maurice. Ouais, il m'a tellement cassé les couilles que je vais l'appeler Maurice. J'ai 7 lumières. Et j'ai rien pour réveiller mon bon vieux macogneur. Je disais un vieux gâteau. Oh merde, bon, il a été envoyé dans la crypte, hein. On fera le switch plus tard parce que j'ai pas changé de... Oui, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Les petits spectres qui te font regard noir, c'est un peu gênant. Du coup, on va faire un petit... on va apprendre éboulement à macogneur. Est-ce qu'il peut... Je voulais faire du sang, voilà. Il peut pas, d'accord, il peut pas. On va lui apprendre appel attaque. Tu sais qu'il pouvait l'apprendre. Putain, truc de barge quoi. Voilà, donc on va lui apprendre appel attaque à la place de. Oui, j'y vais à la potion parce que je préfère garder mes super potions pour les combats en fait. Hein. Tout simplement. Bon, je te. Deux secondes. Oui, oui, vas-y, vas-y, fonce. Et puis moi je vais pas mettre El Macho en premier. Je vais mettre Mew, je crois. Thank you, the Jones. Je vais donner une multi-ex ou pas à Katarina. Je vais donner une multi-ex à Katarina. Ça me va très bien. Un Love Disc. Je vais switcher sur c'est dingue, je sais pas si c'est comme ça. Bah non, on a l'impression qu'il est orange. Ah oui, effectivement. Mais il est orange. Ou alors c'est ton ordi qui donne des couleurs bizarres avec ton nouvel écran. Non, non, les couleurs des autres sont normales. Bah ouais, ouais, je sais pas, c'est très arme. C'est très très arme. Oui, donc du coup je switch sur Morveux parce qu'en fait sa puissance cachée est définitivement type plante. Ah, t'es de la vie, c'est génial. Pois sirène, wouh. Pois sirène. T'as des... Pardon. C'est d'ailleurs un truc fun fact pour votre pois sirène. Truc que j'ai jamais compris, pour ceux qui jouent à Smash Bros, vous aurez peut-être remarqué que Pois Sirène apprend, a Trempette dans Smash Bros, c'est sa seule attaque. Sérieusement? Elle ne fait que ça. En gros, quand tu sors un Pois Sirène une Pokéball, tu es sûr que tu vas te retrouver avec un truc qui ne sert à rien, c'est un Pois Sirène qui fait Trempette. Et le truc, c'est que dans le jeu, Pois Sirène n'apprend jamais Trempette. Donc voilà, fun fact, je sais pas si... Ils se sont dit, ouais, c'est un poisson, c'est inutile. Mais ils auraient pu mettre un Magikarp à la place, ça aurait été plus rigolo. Parce que Pois Sirène, en plus, ça fait vraiment une merde. Elle a une espèce de voix de pétasse qui fait Pois Sirène. Bah, surtout qu'en plus, tu peux tellement lui mettre genre en palcorne. Alors qu'un Magikarp, ça aurait beaucoup plus de sens, tu vois. Un espèce de truc qui s'étale par terre en mode Carp, Carp. Putain, ma il fait vie bouger nulle. Pardon, excusez-moi. Mais arrête toi. Ah, la caméra tremble. Pardon, excusez-moi. Je m'arrête. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Hervénard, ça fait quoi ça? Hervénard, ça. Ah, ouais. On s'en fout! Il est mort. Il est mort, il est mort! Boom, il est vivant, mais... Ouh, excellent! Oh, putain, c'est Thomas d'XP quoi. Excellent! C'était nul, c'était nul! Bah, je vais laisser 1000 parce que je vais me faire un petit peu d'XP. Par contre, j'ai peur d'une attaque du style souplesse ou un truc dans le genre, donc je vais envoyer El Macho. Et puis on va finir excellent avec El Macho. Et moi, ce sera un... Oh, mais regarde, les Pokémon sont déjà niveau 23 en face de nous. Hein. Un Rapion. Rapion, poison. Poison. Hermione. Voilà, je vous avais dit de l'écrasement des murs. Qui est poison ténèbres. Il est tellement cool. Si j'ai un Rapion aussi, j'adore cette génération, franchement. Vous l'aurez compris, la quatrième génération, c'est la génération préférée de Clémy. Il a quoi? Il a sabotage. J'ai pas d'objet. J'ai pas d'objet. T'as pas d'objet, choc mental. Et puis bon, ça fait pas autant d'arnuée, c'est type insecte. Non, poison. Oupsi, ça fait mal. Les 5, je les tiens. Oui, tu les tiens, mais bon, dans quel état après? Il va falloir switcher après. C'est bon. C'est bon, 3. J'espère que le choc mental le one shot. J'espère aussi. C'est rigolo quand même. Ouh, la confusion.
Ok, là ça se tente. Elle est mis les barges. Fais gaffe au monsieur. On va pas le combattre. Falloir qu'on fasse du grinding parce que les dresseurs qui commencent à avoir une lettre mosaïque. Génial. Génial. Trop bien. Allez, blesse-toi. Oh, gros dieu. Lui, il se bat ou pas? Pas sûr. On lui parle. Je suis un malade. Oui, pour aider en pourdant. Ouais, c'est représailles pratique pour les Pokémon. C'était 66. C'était 66 pour le monsieur karatéka. Donc ça peut être rigolo. Qu'est-ce que c'est la CT66 pour moi? La CT66 pour moi, c'est une canon graine. Ouh. Ah non, mais il la prend peut-être tout seul, Bosca. Je vais regarder s'il peut la prendre ou pas. Pas, de toute façon. Il y a El Macho. Oh, métal, j'ai eu encore. Oh, El Macho peut la prendre. El Macho peut la prendre, le canon graine. Oh, so cheat. Ça peut être très puissant. Et pour moi, ce sera donc 66. Cette route est une véritable horreur. Ouais. Non merde, j'ai. Et puis on va bientôt devoir s'arrêter. On va bientôt devoir s'arrêter, ouais, en effet. Non, la salope. Oh, le point glace de mal. Regarde qui peut la prendre. Regarde qui peut la prendre. Ça peut être rigolo de voir qui peut la prendre. LOL. Je crois que tu t'es fait légèrement troller. Je me suis dit putain, pêche avec trop de glace. Et non. Dommage. Fini. Ouais, et saut dead aussi. Saut étincelle. Saut fini. C'est un combat ou un sauvage? Non, c'est un combat. Je suis obligé de le combattre. C'est lui là. T'as vu, c'est horrible hein. Moi, il m'a fait exactement la même. Il m'a fait exactement la même. Je m'en fous, j'ai étincelle. Des boîtes. Chaque fois, il me troll le dresseur. Tu les aimes pas hein. Non. Ouh, petit plaquage. I don't like it. You don't like it? Attends, destruction sur chez Shire, ça ne l'affecte pas. Inefficace, oui. Et pareil pour il y en a un autre du même genre. Explosion. Voilà, on est d'accord. Oui. Je peux le tuer. Oui. Oh, j'ai Kuba. T'as Kuba. Oh, ça peut être rigolo ça. Depuis quand t'as Kuba? Je sais plus. Bah sinon fais du ténèbre hein. Ouais. Putain, mais il est niveau 25 cet enfoiré. Ouais, ils sont bons les dresseurs là maintenant, c'est affreux. Balle glace, bah oui. Faisons ça. Balle glace, il faut peut-être pas que je reste dessus. Pico, donc ça va continuer. Je trichote, moi. Bon, ça va, one shot avec le prochain. Et ça devient chaud hein, là avec ce qu'on a en face hein. C'est bon. Pico, c'est bon. C'est bon les gars. Il en a qu'un hein. Il en a qu'un. Et ça devient très très chaud avec ce qu'on a en face. On a intérêt à faire du grinding. C'est affreux. C'est affreux. On s'est mis niveau 24 avant l'épisode dernier en se disant c'est bon, on est large. On est large. Et en fait que dalle. Pas du tout. Et en fait que dalle. On est où là du coup? On arrive bientôt ou pas? Aucune idée. Ah. J'aimerais bien arriver dans le... Oh, j'aurais pu avoir une nuclier, ça aurait été rigolo une nuclier. Putain, surtout avec le Lambrinex, ça va carrément. Ça aurait été beaucoup mieux qu'un Krigzik. Melocric. Oui. Krigzik, Melocric. Melocric. Je confonds tous les deux. On va... Bah écoute, je crois que... Oh, c'est un gamin, c'est choupi. C'est cute. Regardez là, depuis qu'elle joue à My Little Pony, c'est fini. Des cœurs partout, tout ça. Oh merde, j'ai lancé encore un combat. Oh là 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 là. Bon les gars, je crois qu'on va bientôt finir là-dessus. Hein. Oui, on va finir là-dessus bientôt. Très très bientôt. Je lancerai pas le combat. Moi j'ai lancé un combat, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Oh, un item. Oh, il y avait un item par là. Lux Ball, sympa. Bah écoutez, on va peut-être finir là-dessus. Ouais, parce que là. Ouais, arrête-toi ici. Moi je vais finir mon combat et on va annoncer. Je te laisse le temps de trouver une question du jour. Tiens, oh merde. On va pas trouver de question du jour. Oh shit. Oh shit, oh, on a oublié la question du jour. Oh shit. On a oublié de poser une question du jour. Votre génération préférée. Non, voilà. Mais ça c'est un peu nul. On l'a déjà fait avec les scénarios préférés. Non, mais il faut en trouver une bien. Il faut trouver une jolie question du jour à poser. On est désolé, on a un peu fait ça à la zob. On n'a pas pensé à la question du jour. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de cool comme question du jour? Eh bah tenez, moi j'en ai une bien. Ah vas-y. Cet épisode a été particulièrement tendu. Attends, est-ce que je suis une plume? Excuse-moi.
excuse-moi. Cet épisode a été particulièrement tendu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Cet épisode a été particulièrement tendu, suspense, tout ça. Donc, une question aux joueurs de Nuzlocke, aux gens qui ont déjà fait des Nuzlocke. Quel a été votre pire souvenir de grosse tension dans un Nuzlocke ? Parce que ça arrive tout le temps, les gros méga flips. Les gros moments où on se dit waouh, je vais jamais y arriver. Et au final, ça passe ou ça passe pas. Donc voilà, votre pire souvenir de Nuzlocke, qu'est-ce que c'est ? C'était la question du jour. Moi, je finis mon combat en attendant. 1-1-1-1-1. J'espère que je vais y arriver assez vite. Purée, 11. Alors, appel attaque. Boum. Petite plante. Paf, appel attaque. Fini. Allez, El Macho, il utilise des insectes. Il a même pas peur. C'est la cucaracha. Oh, sérieusement. Et si vous voulez, tiens, je viens de penser à un petit concept. Mm-hmm. Vous pouvez nous proposer des sujets de discussion. Parce que bon, on parle tout le temps du jeu. Ça finit par être lassant. Ah, oui, si tu veux. Oui, bah oui. Si vous, vous avez envie de savoir un truc sur nous, ask. Ask a question, on répondra éventuellement à vos questions pendant l'épisode, même si moi voilà. Ça m'embête un peu. Petites questions. Oh, il est timide. Il aime pas parler de lui. Bon, Nick, t'es mort. Ouais. Nick, t'es mort. Elle est horrible, non, cette expression, elle est horrible. Elle est affreuse. Oh, Cricknote, coucou. Alors. Qu'est-ce que j'ai contre un Cricknote ? Rien. Rien. Que dalle. Bah, El Macho. El Macho, hein, puis voilà. Hein. El Macho, il a pas peur. Il va le casser un dos, El Macho. Oh, il est tellement plus beau en shiny. Regardez l'autre ici. Ah, moi, mon Cricknote, il est vraiment mieux. Bah oui. Alors. Eh ben non. C'est 40 PV Dracorage. Oh là 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 là. Il rapporte pas d'XP en plus. Il rapporte que dalle. Ah non, il rapporte que dalle. Pour en avoir tué plein pendant mon grinding, il ne rapporte rien. Il est bon. Super casse-couille à tuer. Donc voilà, bah écoutez, on va finir l'épisode là-dessus. On va finir l'épisode là-dessus. Hop, moi je mâche mon bouton. Ah, mais c'est le bouton B que je mâche là. Bouton A. Ah. Voilà. Donc sur ce, les enfants, on finit cet épisode numéro 13 qui, au final, ne s'est pas montré si malchanceux que ça. Parce qu'au final, on a une bonne petite paire. Ouais, enfin, juste. Pas vraiment productif quoi. Pas vraiment productif encore une fois. On vous promet qu'on essaie de s'améliorer au niveau de l'avancée des badges, tout ça. Mais bon, là pour l'instant, les routes sont hyper longues et on a que dalle mais de scénario. Le prochain badge est dans un moment, c'est Verchamp. C'est Voilà Rock. Et après, le truc c'est qu'après ça va changer très vite parce qu'on a Verchamp, Voilà Rock, le lac. Donc ensuite, enfin bref. Voilà Rock, Verchamp, le lac. Ça va aller de plus en plus vite. On a Union Police juste après donc ouais. Ça va aller très très vite parce qu'au final, les routes on les a déjà faites. Après, c'est. Enfin bref, voilà. Pas grave, on va essayer d'avancer de plus en plus. On vous promet qu'on va essayer de rendre ces épisodes toujours plus passionnants. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime quand même. N'hésitez pas à répondre à la question du jour, qu'est-ce que c'est déjà. C'était quelle est votre pire expérience de Nuzlocke. Quel est votre pire souvenir de stress. N'hésitez pas. Ou si jamais vous en avez jamais fait, le pire souvenir pour vous de notre Nuzlocke. De notre Nuzlocke, ou d'un jeu tout court en fait, tout simplement. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, ça nous fait toujours plaisir et ça passe surtout par vous. La chaîne est de plus en plus connue. On est à 1695 abonnés, je crois, au moment où on parle. Donc c'est génial, continuez. On veut plus de gens, on veut plus de gens qui sont passionnés par ce qu'on fait parce que c'est toujours cool d'avoir... Des poteaux. Je vous rappelle aussi rapidement que je reprends les combats, ma 3DS Capture Card est revenue. Donc mon équipe est eu actuellement l'équipe que vous avez vue dans la composition d'équipe simplement. Team UU donc avec Crocokill, le croco horrible. L'équipe est farmée donc je vous attends pour les combats dès maintenant. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, sur Twitter, à poster sur le hashtag versus Pokéchou sur Twitter ou à venir me voir sur Skype. Donc mon Skype c'est Elchou ou Pokéchou en précisant bien que vous êtes de YouTube et quel est votre pseudo parce que je jette un petit peu les gens que je ne connais pas trop. Voilà. Et puis sur ce les enfants, c'était Pokéchou et Clémy. Ciao. Petite annonce d'après vidéo, on avait oublié de le dire, voilà, c'est un jour différent, vous avez vu, j'ai changé de chemise, waouh, truc de malade, ah, il est fou. Bref, donc deux petites annonces pour cette fin de vidéo, ça concerne toutes les deux une seule et même journée, donc vous aurez le choix, voilà, alors c'est pour le samedi 11 avril.
Donc en plus d'avoir la Japan Touch à Lyon, il y a trop de choses à Lyon ce week-end là. Donc nous on fait un live vu qu'on a récupéré, vu que j'ai récupéré ma 3DS Capture Card. Je vais faire un gros live de malade qui durera de 10h à 19h sur Twitch. Ce sera du Pokémon, ce sera du Monster Hunter. Vous êtes très largement invités. Si vous avez envie de venir, voilà, ça va être 9h de pure folie. On va faire une petite pause pour manger. On fait quand même, faut pas déconner. Hein, entre midi et midi et demi, 13h. On n'est pas des malades, on n'est pas des bêtes. Enfin, si on prend une heure de pause, c'est cool quand même, tu vois. On prendra une heure de pause, ça très bien. Merci. Voilà, mais voilà, donc gros live de malade. Si vous avez envie de venir, bah, passez-y donc. Et puis, il y aura dans la soirée, donc au Respawn à Lyon. Donc vraiment, si vous êtes lyonnais et stratège, c'est un truc qui peut vous intéresser. C'est le Pokémon Battle Lyon, première édition. Par Pokémon Ronald, donc les mêmes organisateurs que le Pokémon Day à Lyon. Voilà, on les en remercie parce que c'est vraiment génial. C'était super cool. Donc c'est un tournoi, c'est de l'OU Smogon 6 et 6. Donc il faut respecter le format OU de Smogon. Voilà. C'est du 6v6, voilà, et c'est un tournoi. Et puis c'est 5 petits euros de frais d'inscription, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, mais vous avez une console gratuite avec ou voilà, du genre. Un truc dans le genre. Donc c'est quand même un joli petit tournoi. C'est au Respawn, donc au bar de Lyon, on le répète. Et puis on va vous mettre un lien dans la description de la vidéo vers tous les détails, vers les inscriptions, vers tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas d'excuses pour y aller, pour ne pas y aller. Si, le live. Si ce n'est que voilà, vous voulez assister à notre live. Non, vraiment, allez-y parce que ça va être un truc génial. Nous, on a pas la possibilité d'y aller, on est un peu deg, mais voilà. Profitez-en pour nous. Allez-y vraiment si vous êtes stratège sur Lyon, que vous aimez l'OU et que vous aimez les tournois tout simplement. Et puis, bah voilà, fin des annonces. Bye!